Bonsoir, c'est un plaisir, une autre fois encore pour l'ensemble, pour nous présenter un programme. Dans la langue créole haïtienne, aujourd'hui, c'est jeudi 25 juillet 2024. Quel est le grand point qui a dominé l'actualité? Actualité haïtienne aux États-Unis, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontré dans la Maison Blanche jeudi avec président Joe Biden, un jour après qu'il ait pris la parole devant deux chambres congrès réunies. États-Unis toujours en pile rassemblement avec activité électorale avec vice-président démocrate Kamala Harris et ancien président républicain Donald Trump. Haïti, pendant la période état d'urgence sécuritaire, le gouvernement a essayé de chercher à résoudre dossier zone que l'État a déclaré d'utilité publique. Et puis en pile activité dans la ville Paris, dans le pays de la France, ils ont joué avant coup d'envoi Jeux Olympiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On leur fait encore merci d'être choisi VOA Creole pour informer au vraiment vrai et grand pile activité dans la ville Paris, dans le pays la France, parce que demain, c'est pour le coup d'envoi Jeux Olympiques. Mais actualité, c'est ici, au Washington, côté que président Joe Biden recevra aujourd'hui à un bureau ovale la Maison Blanche pour l'émission israélien Benjamin Netanyahu et situation humanitaire dans Gaza, cessez le feu dans la guerre Israël contre Hamas là, et puis prisonniers qui n'ont main israélien, prisonniers palestiniens qui n'ont main israélien, et puis augmentation assistance humanitaire pour palestiniens dans Gaza, eh bien, point ça a été dominé rencontre de leaders. On a le droit ça, Pipré. We meet today at a crossroads of history. Après un discours fleuve devant deux chambres congrès réunies, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a continué virer un historique dans Washington. Jeudi, président Joe Biden recevra dans la Maison Blanche avec une apparition spéciale dans le bureau ovale la Maison Blanche. Là. Un point qui était dans la conversation de leaders, c'est cessez le feu dans la guerre Israël à mener dans Gaza contre Hamas. Une guerre qu'il a depuis environ 9 mois. Président Joe Biden accueilli leader israélien dans la Maison Blanche et Netanyahu, Premier ministre, bat bravo pour soutien président Biden. Toujours bail pays Israël. Monsieur le Président, moi remercie pour 50 ans de service public avec soutien ou toujours bail Israël et moi content aujourd'hui pour me discuter avec vous, travailler avec vous dans moi qui vient là. Et président Biden, bon côté parle lui-même, il a fait un rappel historique, il a remercié la presse sans lui pas répondre à question, journaliste a essayé de poser. En vrai, rencontre là, il a responsable communication la Maison Blanche, John Kirby, qui lui-même croit que faut déboucher sous un cessez-le-feu. Monsieur John Kirby, dit qu'en pile lacune qui existait et tokay dans deux camps en Israël et aux États-Unis a travaillé pour capable joindre yon entente et il ajoutait que président Joe Biden dans rencontre avec premier ministre Benjamin Netanyahu a essayé ouais si on ta joindre yon entente qui débouchait sur un cessez-le-feu. Avant rencontre là toujours t'ai l'autre gros responsable dans la Maison Blanche qui te dit rencontre ça a chita sous guerre Israël contre Hamas là dans Gaza et président Biden a bien pour l'exprimer engagement en faveur sécurité Israël. D'après même sous cela réunion ça et ben t'ai a chita sous menace contre Israël cap sorti bon côté groupe qui joignent soutien dans main Iran dans région Moyen-Orient tant qu'ou Hamas Hezbollah et qui basé dans Liban avec militants outils qui dans Yémen. Situation humanitaire dans Gaza, cessez le feu dans guerre Israël Hamas là avec libération otage qui n'en met Hamas et prisonniers palestiniens qui n'en met Israël et augmentation tout assistance humanitaire pour palestiniens dans Gaza et ben yo tout suscité discussion dans mitan de leaders et puis vice-présidente là Kamala Harris qui trouvait dans campagne Konya et ben elle doit rencontrer avec dirigeant israélien Pita jeudi. Donc oui, on a fait marquant pendant visite premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans Washington, gagné en pile manifestation qui fait notamment l'LT dans le Congrès, il était devant deux chambres Congrès réunies, et ben en pile manifestation qui t'a fait pour non seulement dénoncer guerre mais mander yon cessez-le-feu et au tabouer parole piment bouc contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais en Israël même réaction au département par rapport à discours et par rapport à visite là Jean-Robert Philippe à suivre de très près pour nos situations. Jean-Robert est dans le pays Israël et il y a des gens que il a accueilli non seulement visite là mais discours que président premier ministre plutôt premier ministre Netanyahou fait devant deux chambres congrès réunies. Effectivement, Jacques Lejondia, et c'est un discours que les Palestiniens qui sont dans le territoire Gaza ont critiqué le chef gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu. Ils ont dit qu'il y a un congrès en paquet, mais il n'y a pas de chambre de congrès, effectivement. Jean-Baptiste est normalement, et que tout ça le dit devant deux chambres de réunion, son paquet de mentiers. Pendant ce temps, dans Jérusalem, qui est la capitale là, et les résidents eux-mêmes, ils ont battu bravo pour le premier ministre, ils ont battu bravo parce que
dit le premier ministre, dit toute la vérité, et que content à discours ça que le chef gouvernement fait devant le chambre congrès américain. I deeply appreciate America's support, including in this current war. Réaction partagée en Israël à territoire Gaza après le discours premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononcé devant deux chambres congrès en absence du vice-président Kamala Harris qui lui-même était le président de session. Assistant ministre des Affaires étrangères palestinien Omar Awadala déclaré que c'était un discours non-sens total qui chargeait avec gros menti que le membre congrès a supporté tant qu'une comédie théâtre absurde qui en général c'est ennemi idéologique cause palestinien. Mohamed Nasser, un résident palestinien hébron, déclaré tout à fait normal pour qu'on réaccueille le premier ministre Netanyahou, Jean Fella, à paquet d'applaudissements. Puis, il faut assister ce soir, c'est juif, ou bien il y a un support aux États-Unis. Dans le discours, le premier ministre décrit un plan pour déradicaliser Gaza après la guerre et puis former une alliance entre Israël avec les Arabes et les États-Unis. M. Netanyahu rend un groupe militaire amassé responsable de grand goût dans le territoire pendant qu'il insistait que Israël protégeait les civils. Abou Mohamed, un Palestinien déplacé, pas d'accord avec la déclaration du chef gouvernement israélien. L'a déclaré. Majorité des gens qui mourent dans le territoire Gaza, soit 90%, c'est civil, qui contraire avec la déclaration du leader israélien en fait devant le Congrès. Permet à l'organisation internationale de visiter l'hôpital pour constater que les gens qui mourent, c'est des gens vieillards avec femmes. Le premier ministre qui profite de chercher support aux États-Unis pour jouer des armes et munitions pour continuer la bataille là et qui déjà tué plus passé 39 000 Palestiniens et blessé plus passé 90 000 autres depuis l'armée israélienne a lancé offensive en octobre 2023. Après militaire Hamas a été attaqué plusieurs fois. Il y a un gros problème pour les joindre. Ils cessez le feu, libérer otages et puis joindre une paix définitive dans la région. Dans Jérusalem, la population bat bravo pour le discours mis en fait devant le Congrès, peut-être lui dit la vérité. Pendant le dit, il était doué, mettez plus accent sur otages. Laurie Heller, qui gagne 70 ans et qui était parlé avec l'agence Nobel Reuters, déclarait que c'était un bon discours. Chez le gouvernement israélien a visité les États-Unis, dans un moment, le tribunal criminel international a lancé un mandat d'arrêt contre lui, quelques membres du gouvernement et leader membre du groupe militant Hamas. Joubert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et dans Washington, et hier soir, président Joe Biden délivrait un discours et pour expliquer plus ou moins pour raison qui fait que l'écrasion quitté ça dans la course présidentielle là et endossé vice-présidente Lee Kamala Harris. Sandra Lemaire, gain détails. Président Joe Biden déclaré mercredi, il décidera l'école dans la course présidentielle là contre Donald Trump à cause que sauté les gagnants pour avenir pays États-Unis. Ses premiers commentaires publics li fait depuis annonce li publié dimanche pour faire connaître li quitter course là. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union is not about me. It's about you, your families, your future. Thomas Jefferson, George Washington et Abraham Lincoln pendant qu'il était décrit à Mouli pour bureau que il pourrait quitter dans 6 mois et puis clôturer presque un demi-siècle comme fonctionnaire l'État. My leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing, nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. Biden, 81 ans, t'est repoussé pression démocrate t'est metté sous lit pendant plusieurs semaines après débat tête chargé le t'est gagné avec Donald Trump 27 juin passé à. Il t'est dit que seulement grand maître là t'est qu'à convaincre lui pour le bail vague. Il t'est passé plusieurs jours à réfléchir et puis agoniser sur résultat sondage qui montrait qu'il était capable de perdre face à Trump le mois de novembre là.
et puis causer compatriotes démocrates Lio pour yo perdre course là tout. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation. Biden t'est parlé pendant 11 minutes. Il fait référence plusieurs fois à danger les quoi qui posait pour Américains si Trump remportait l'élection 5 novembre, sans n'y pas citer non Trump directement. Il dit des palis dans la course présidentielle là va aider guérir blessés partis démocrates là et puis unifier yo en bas yo seul objectif qui c'est remporter l'élection. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Après d'être toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, dans le palais élection, dans la campagne présidentielle là, eh bien, candidat parti républicain Donald Trump a fait face à un nouveau opposant en parlant de, après que président Joe Biden t'ait fait retrait comme candidat parti là, Valérie Saint-Louis depuis New York. Républicain dans la convention nationale semaine passée, t'es content ou est pression qu'a monté sous président Joe Biden pour le démissionner comme candidat supposé parti là. C'est comme ça que l'elle t'est démissionné comme candidat, yo t'est déjà paré. Si yo t'est jamais demandé tête ou qui Jean Joe Biden t'est arrivé fait des ordres sous frontière comme ça, songez, il t'est gain monde qui t'est aidé. Avec publicité ça, qui changeait attaque yo sauté sous Biden pour arriver sous vice-président Kamala Harris, qui a blâmé lui pour une vague quantité d'immigrants illégaux qui rentraient sous frontière yo. Moi, j'ai travaillé sous problème ça pour un bon petit temps. C'est vérité à sous Kamala Harris. Li dangereusement libéral sous cause immigration illégale là. Dans premier événement campagne comme candidat présidentiel démocrate, Kamala Harris était paré pour contre-attaquer, lui rappeler électeur yo travail comme prosecutor tribunal et procureur général. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Et puis dans job ça yo, moi t'ai fait face à toute qualité prédateur. Prédateur qui t'ai fait abus sous femme, escroc magouilleur qui t'ai cassé pour être consommateur. Cheaters, tricheur qui t'ai crasé règle la loi yo pour propre bénéfice. So hear me when I say. Donc tandem l'aime dit nous, moi connais qualité Donald Trump yo. Kamala Harris recalibré course électorale que ancien président Donald Trump a mené la donne, selon expert Darrell Wells de Brookings Institute pour études sous gouvernement. Mademoiselle Brel très compétitif dans l'État important Midwest, Ohio, Pennsylvanie, Michigan, à Wisconsin. Et puis, moi, pensais que le Brel remette quelques dans l'autre État qui aurait les swing states, yo, et qui était commencé à glisser aller, État en cours Arizona, retourner pour démocratie. Pour Donald Trump, candidat républicain, un nouveau opposant rival politique, v'lait dit, un nouveau tinon jouet pour passer le non-risible. Moi, l'élite Kamala d'Angrien. Ou j'aime garder le capri? Li fou. Ou connaît, ou ka di en pile bagay de yon moun sou façon liri. C'est une campagne qui gagne confiance que le capable battre n'importe démocrate, d'après Mina Bosse de Hofstra University. Clairement, ancien président Trump ak staff campagnien, yo te pensé que président Biden te un candidat que yo ka battre. Yo semblait que yo gagne même opinion ça de vice-président Harris. D'après Darrell West, changement pral vle di kek ajustement pour campagne républicain yo. Yo juste pral obligé remanier tout point campagne yo a, qui te dit que Joe Biden te trop grand moun, il pas capable faire travail là et que famille te nan corruption. Tout ça disparaît kounya là. Mais moi certain que yo pral bien vite passer à l'attaque. Yo pral faire remarquer que Mamzel sorti dans l'État California qui pi libéral dans reste pays a. Candidat colistier Donald Trump là, J.D. Vance, t'es shooté sous vice-président Harris. Li blâmé vice-président pour mauvaise performance Joe Biden. Pays nous ont lagué pendant 3 ans et demi dans main du président qui pas de café travail là. Et c'est parce que Kamala Harris et reste démocrate te bay menti sous capacité pour le vice président nous. Kamala Harris dit électeur yo gen un choix clair entre vision pali et vision pas Donald Trump là. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays qui gagne liberté, compassion et respect, règle la loi, ou soit un pays qui gagne désordre, la pérèse et trahissement? Mais bon, t'es moment ça, nous chaque, nous gagnons pouvoir pour répondre à la question ça. Pouvoir, c'est pour peuple là. Premier sondage politique, bureau vote, depuis retrait Joe Biden et monter Kamala Harris comme candidat, diminuer différence quantité vote parti a gagné avec Donald Trump. Pour VOA News, Scott Stearns, adaptation créole, Valerio Saint-Louis. Pour VOA Créole, New York.
N'a pas quitté l'actualité ici aux États-Unis, nous parlons en Afrique, et bien, actualité a mené nous plus précisément dans le pays Kenya, côté président William Ruto, mettez quelques membres dans l'opposition, dans le nouveau cabinet ministériel, mais ça n'a pas empêché que les manifestants continuent à mener un mouvement protestation contre le gouvernement. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Policiers Kenya yo tiré en l'air. Yo voyé gaz lacrymogène dans la ria et puis yo arrêté manifestants jeudi 25 juillet 2024 là dans Nairobi, capitale pays Kenya. Malgré hier mercredi 24 juillet, président Ruto te parlé ak nation an, li te proposé amendement dans loi anticorruption ak marché public et puis li te nommé nouveau ministre. Kek la dan yo sorti nan opposition. Président promet tout que gouvernement Kenya pral aider famille ak citoyen yo. Gouvernement Kenya pral bay assistance nécessaire pour toute famille ak citoyen ki perdi moun yo renmen yo. Manifestation yo te continue malgré président Ruto te retire législation contestée ya. Et puis li te fè yon passe men nan cabinet ya. Militant yo continue à demander changement dans le système nan pour attaquer problème corruption ak gouvernance nan niveau national ak nan niveau comté yo. The president is doing everything in his capability. Président a fait tout ça qui nan pouvoir li pour le faire pays a fait bac. C'est pour ça nous pas kabali plus temps. Li pas intéressé pour réparer pays a étant des revendications nou yo. Pour faire avancer cause nou yo par rapport à ça qui dit dans constitution li a agi en dehors constitution qui donc nous te wè brutalité a kek etan avant arrestation li pendant manifestation nan Nairobi jeudi 25 juillet ya militant kenyan Wandira Wanjiru te dit when we lose les nous perdit la pérez nous yo perdit pouvoir yo et puis tout pouvoir souverain c'est pour peuple Kenya. En plus 4 membres opposition yo, Ruto nommé 5 membres cabinet qu'il était révoqué dans commencement mois ça pour répondre à revendication manifestant yo. Mais militants yo critiqué nouveau gouvernement comme une négociation entre corrompu. Jeunes manifestants qui derrière 6 semaines manifestation qui te force Ruto 2.7 milliards dollars dans augmentation taxio te dit que gouvernement unité ça ta continuer yon tradition leader yo choisi opposition en sous peuple là manifestation yo c'est pi gros crise dans de l'année Ruto sous pouvoir plus passé 50 moun mouri manifestation yo te continuer même après tentative augmentation taxio te suspend kounye ya. Un pile militant a demandé démission Ruto ak réforme solide pour attaquer problème corruption. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Et oui, ou toujours sous VOA Creole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne, n'a entré dans le pays d'Haïti, côté dans le cadre d'application état d'urgence sécuritaire, et ben, gouvernement, et ben, bay moun qui en bas la ville là, et ben, yo bay yo délai pour yo capable, qui 8 jours francs pour yo capable de guépi yo, Yves Manuel. Dans le cadre état d'urgence sous question sécurité, gouvernement ak mam CPTO décrété que ça soit 24 juillet 2024 document ça porté signati c'est l'île communication ministère travaux publics transport et communication dans document gouvernement rappelé gagnon arrêté qui publié dans moniteur dans numéro 86 vendredi 1er juin 2012 qui déclarait d'utilité publique propriété qui trouvait sous axe boulevard Aritroman, axe rue Joseph Janvier jusqu'à axe rue Monseigneur, rue Magasin l'État, axe rue Saint-Honoré, axe rue Chanmas et enfin ligne qui sous axe rue Henry jusqu'à rue L'Enterrement. Terrain sa yo destiné pour construire édifice institution publique qui était détruit en bas goudou 12 janvier 2010 là.
Concernant propriétaire qui donc met kay qui poko dédommager mais qui était obligé quitter kayo, gagnait ministère qui rappelé yo doit bay titre qui approprié pour finaliser processus dédommagement qui en attente. Dans ce sens, le ministère a demandé à tout occupant rue nous cité là yo qui répartit en trois blocs pour vider les lieux dans un délai 8 jours à compter publication communiqué. Il y a plusieurs rues qui concernées par décision ça qui gagnent caille qui abandonné monde qui était dans caille ça yo couri quitter caillou à cause violence gang améo dans dernier temps ça yo. Dans l'année 2012, processus expropriation pour construire cité administrative là a suscité divers remous côté gagnent gros manifestation qui était organisée cité administrative là te doit la donne environ 46 bâtiments publics, espace qui est réservé pour commerce, bureau pour institutions internationales. Plus passé 10 ans après, seulement 8 bâtiments publics qui construit dans Ershan Maslan. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves. Toujours dans le pays d'Haïti, conseiller présidentiel Emmanuel Vertiler fait déclaration patrimoine hier mercredi 24 juillet 2024 là dans greffe tribunal civil première instance Port-au-Prince Massado Vilmé. Représentant parti politique Petite Dessalines dans conseil présidentiel transition Emmanuel Vertiler qui était accompagné à conseiller juridique li maître Emmanuel Gentil fait déposer là devant greffier Tassi Mozart en présence commissaire gouvernement maître Lionel Constant Bourgoin ak doyen tribunal première instance Port-au-Prince lan maître Bernard Saint-Ville. Il venait rappeler formalité dictée par la loi du 12 février 2008 et sur la déclaration de patrimoine et des personnalités politiques et des grands fonctionnaires des agents de la fonction publique. Responsable chantier justice en dans conseil présidentiel transition qui était visité tout paquet Port-au-Prince déplorait infrastructure qui pas gagné dans espace qui loger institution judiciaire et puis plaider en faveur de localiser paquet. Moi je vais faire porte-parole de système. J'aime dire système là moi dire toute sa globalité. Moi je porter message là ben conseil là et ensemble avec le gouvernement nous sommes capables d'adresser le problème justice là et dans un temps record pour que il y ait quelque chose qui fait pour nous retirer tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'un des grands tribunaux du pays, côté où il est là, n'est pas possible. N'est pas possible. Donc la justice lui-même, il n'est pas capable de reléguer au second plan. Et si nous avons besoin de pays nous développer, nous avons besoin de pays nous sortir de la situation où il est là, il faut que les hommes politiques de ce pays aient priorité à la justice. Dans la même journée, mercredi 24 juillet 2024, le conseiller présidentiel là, Emmanuel Vertiler a visité tout bâtiment qui logeait l'unité lutte contre corruption ULCC. Il y a occasion pour le directeur général, M. Hans-Jacques Joseph, aborder les besoins institutions. L'autre nouvelle sous pays, autorité sanitaire fait connaître, il a été averti dans la date 12 juillet passé, présence maladie charbon dans la commune Tigouave, puis précisément la localité Fort Royal. Ça nous apprend dans un cycle de ministère santé publique et population mette dehors côté au fait qu'on ait détecté ça après consommation yon viande bête qui mourit. Autorité sanitaire au fait qu'on ait tout des recherches qu'a fait dans centre épidémiologique pour identifier source infection et puis mettre campé mais y prévention à contrôle. Autorité a profité des populations pour éviter contact avec bête qui mourit pour éviter propagation maladie. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilmé, tant qu'on nous a dit dans le commencement du programme, nan, eh ben demain c'est pour le coup d'envoi Jeux Olympiques, eh ben c'est ville Paris, pays la France qui a accueilli les Jeux Olympiques. Et puis jeudi à ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Cosé Femme et mon cap présenté, qui était préparé, qui a présenté, c'est Glorieuse Nelson. Dans la rubrique Cosé Femme jeudi, on a introduit Nadège Fleurimont, un entrepreneur haïtiano-américain qui est basé dans New York. Alors qu'elle étudie politique dans Columbia University, c'est sous cuisine et entrepreneuriat que elle choisit bâti carrière. Yon carrière côté manger à culti haïtien gagné premier plan. Mante ou ti jan né avant chaque coup di au sot Haïti, c'est liste politique, problème social qui existait. Som réalisé avec manger a moun plus te vin intéressé dans culture là, yo besoin apprendre des pays a ki jan manger, ki l'on manger ça, ki jan nou fèl. Moi di on préférer conversation ça. À l'époque moi pas de penser c'était au domaine qui t'a vin
carrière moi profession moi vinn di ben continuer en créer conversation ça yo entouré de manger pour moun ka apprendre plus de culture et c'est là ça que fait nous arriver là. Année 2024 l'on fait 20 années depuis Nadej professionnellement intégré domaine cuisine. Il a déjà écrit 2 livres parmi yo Haiti Uncovered qui débouchait sous organisation plusieurs voyages pour touristes en Haïti. Entrepreneur a expliqué livre si là plus que recette cuisine qu'il a donné. Pour moi même c'est pas juste montrer manger à mes recettes là mais c'est plus introduire moun avec coutume avec Jean moun yo vive en anglais autant qu'on dit humanize Haïti parce que en pile fois tant qu'on grand paquet moun va parler de Haïti tant qu'on c'est pas place qui vrai c'est tant qu'on so, ou la guerre qui existait toute la cette journée tout monde a parlé so yo pas même ka imaginer que moun gen day to day life so moi pense que les moi al voyager pour livre là en 2013 2014 moun vin dit oh Gade Nadej qui levé ici, qui vini ici depuis à 7 ans. Gade la voyage dans tout partout de pays. Hein, kounia la pren recette yo, la palé de manger yo, la palé de coutume manger en termes de cérémonie, baptême, communion, mariage. Qui est-ce qui fait manger les ça nous manger les matins? Après plusieurs années d'expérience dans le service traiteur, ça nous relève catering. Nadej décide d'ouvrir un restaurant qui relève Bounan, côté plat de base, là, c'est banane. La peut expliquer. Mes amis africains c'est ça net yo reme banane pan yo reme banane moi dit ah so si mbay go haïtien moi bay saveur haïti a kounya ke moi utiliser banane nan ke tout moun reme ça ou sorte li kembe a mission tout nan date nous te visiter banane qui situé nan Carrefour qui ton ak Flatbush Avenue nan local Flatbush Central la ki nan Brooklyn Nadej ta bayon kou cuisine jan nou ye ici c'est pas comme ça moun nan vivre en Haïti so me pense que manger a so gens que ou gen doit kembe ou liaison ou lien que pour toujours ca connecter avec en back home parce que tant comme tout on pas qu'être jeune qui fait des sites yo gen pas qu'on rien de Haïti entrepreneur qui te gen chance menen qu'il ti a cuisine haïtienne dans plusieurs gros institutions américaines tant que New York City Hall, BET News ou sinon la Maison Blanche fait connait ces façons ça les capable porter contribution pour pays Haïti Glorieuse Nelson pour VOA Creole depuis Brooklyn New York. Merci Glorieuse Nelson et comme nous nous t'ai parlé de l'étou dans cause femme c'est Stella Jean son designer un styliste qui basé qui était dans ville Rome et il est présent dans ouverture Jeux Olympiques demain dans ville Paris. Je dis ville Paris dans pays la France c'est ville lumière mais on dit c'est la ville de la mode côté pral grand pile modiste dans occasion Jeux Olympiques et Stella Jean pour le représenter Haïti la présent et la poté produit li ça le fait comme designer comme styliste et il dit que c'est mettre en évidence et ben style goût taste ça veut dire en anglais Caraïbe là donc c'est yon moun pour suivre pas oublier non Stella Jean yon designer qui basé dans ville Rome mais c'est yon designer qui gen origine haïtienne. Donc demain c'est coup d'envoi Jeux Olympiques dans ville Paris dans pays la France. C'est là nous mettez fin dans programme. Merci Nelson, merci Jean-Marc Hervé Abela. Moi c'est Jacques Belizer et Rob McLean. Bonsoir. Parce que nous apprenons que l'État haïtien bail 8 jours francs pour quel que soit monde qui eux même qui habitait en bas la ville et côté que l'État t'est déclaré d'utilité publique, que moun sa ou capable quitter son sa yo, non de les 8 jours pour que l'État t'en met opération pour y ve déchouquer bandits malfaiteurs vivre ensemble qui prend ambassade en otage. Est-ce que, après délai ça, l'État pral vraiment t'en met sa nele, opération pour déchouquer bandits vivant ensemble yo? Est-ce que, nous pral dit que, quel que soit tes iso, quel que soit tes tilapli, quel que soit tes barbecue, quel que soit groupe amoté qui t'es occupé en bas la ville là, est-ce que la police pral rive vraiment mettre la paix en bas la ville? Laissez-moi dire que, nous connaît bien, je suis né quitté mercredi, hein. Gagner ensemble de groupes bandits dans Cité Soleil. N'est-ce qu'il dit, il fait la paix. Les gars dit que après 4-5 l'année, après pile bataille qui gagne dans Cité Soleil, ils ont décidé permettre que moun en dedans Cité Soleil qui est capable de fonctionner comme ça doit. Dans ce sens ça, que barbecue Jimmy Cherizier, monsieur parlé et monsieur regardé la presse et monsieur dit que c'est on la paix durable qui est fait en dedans Cité.
Qui donc, est-ce que nous avons garanti avec la paix que nous avons fait? Est-ce que c'est une paix stratégie pour montrer que, avec autorité, que yo pas sous-goumé encore, yo voulez que pour déposer ça, pour que la paix capable fonctionner, c'est des questions que nous avons posées. Mais nous avons dit que, et pas première fois, que je dis, nek en dessous cité soleil, bandi a fait sans relais la paix. Mais la paix, ça n'a pas jamais durable, mais barbecue dit que fois ça, la paix a pris durable, et il était pour nous suivre, il était pour nous garder, est-ce que ça a dit, au fait, l'Ipral Kembe pendant des années, ou dis-moi, est-ce que c'est son stratégie pour capable contrer carré force légale? En tout cas, nous l'avons regardé, est-ce que PM n'a pas fait dialogue? Est-ce que Bantio pour dialogue? Ça peut passer en deux pays, des Venez, comment est-ce que mon frère? La situation est belle et bien en forme. Nous comptons l'autre fois pour rejoindre nos amis internautes qui ont parlé plus sérieusement pendant n'a pas démarré avec information qui permet que vous été bien informé à comment ça a passé en dedans le pays. Ils ont plainte formelle déposée dans l'ILCC contre trois membres conseillers présidentiels qui demandaient et président conseil d'administration BNCA 100 millions de gouttes pour le décap de jour été dans le poste. Eh bien, et vous fait quoi qu'il y a là pour suivre avec démarche contre corruption, contre ensemble assassin avec Silao qui investit l'État. Et sous contrôle autorité qui dans et communauté internationale là, parce que c'est même qui était signé pour monde santé vin dans conseil présidentiel transition et nexa son équipe gros volet qui était habitué voler dans l'état encore retourner on l'autre fois pour continuer vin voler et qui malgré peuple haïtien a connu une situation très difficile mais même dans sens pas c'est l'argent qui a cherché pour yo et plus enrichir tête que qui est-ce qu'on doit conseiller ça ou qui est-ce où est lui Gérard la donne lui Gérard il pas la donne de la situation parce que c'est la c'est la carrière de Louis Gérard Gilles, il veut contacter fait Emmanuel Vertilet et Nèg Moïse Jean-Charles. C'est qu'on le monde ça, parce que c'est eux-mêmes qui t'entendent. Ils ont manqué Pézé Gorgé et Premier ministre Gary Conny. Ils ont manqué Pézé Gorgé et Premier ministre Gary Conny pour exiger, pour le faire, président, conseil d'administration, BNCA, Bayou. 100 millions de gouttes, tout simplement pour le Cap Kembe pour ça. Et sans compter, l'autre poste qui a demandé toujours en dedans pays. Pendant que mon pays, insécurité, mon a couru, mon a couru par mon papa qui est là-dedans, conseil de nek qui te dit oui, yo kap servi pays ya. Y'a vini pour changer condition la vie population. Y'a vini pour venir combattre l'insécurité. Ou ouais, profiter de l'insécurité ya, yo même pour y'a fait vol pa yo. Yo profiter de l'insécurité ya pour enrichir tête yo. Parce que y'a préparé élection. On est tant que moi et Jean-Charles. Ils permettent que tout le monde en balle. On est tant que Claude Joseph, kap veye pour la voler dans FNE. Parce que le songe, il vole dans la diplomatie ya déjà. Yo pas dit l'an, l'arrangel pour la voler dans FNE. La situation n'a pas poursuivre toujours avec ensemble des activités qui étaient déroulées pendant la journée. Ayer, on dit Premier ministre Gary Conny et l'y rencontrer journée 24 juillet 2024 là avec un représentant et réseau national médias en ligne, association et médias en ligne tout, les chita avec eux sous crise sociale sécuritaire que le pays d'Haïti a fait face. D'après et locataire primatia, objectif réunion cela, c'était créer un espace discussion entre médias yo et surtout médias en ligne à gouvernement. Yo fait quoi succès qui gagne dans état d'urgence sécuritaire pendant transition et à dépend tout de la presse qui a bail participation surtout si là au cap travail à travers plateforme média en ligne sur internet yo. C'est ça Premier ministre Gary Conny t'a expliqué PM nan quoi média en ligne a influence yo gagné et gain gros importance dans résoudre problème crise sociale et sécurité qui gagne en dedans pays à situation. Représentant média en ligne t'a exprimé engagement yo pour yo régulariser et prendre responsabilité yo face avec crise là, c'est un engagement citoyen socioprofessionnel pour nous prendre responsabilité face à crise que Haïti a fait face jeudi et assumer responsabilité pour au moins que vous regardez avec le reporter qui est dans la rue avec le même tout qui parle dans la rue pour vous avez un autre comportement qui va prendre le bail gouvernement sans doute qui pas goumé pour résoudre le problème insécurité mais même quand déjà parlé pour vous parler bail presse et presse en ligne responsable parce qu'en plus de fois la police tente à mener l'opération, si vous n'avez pas réussi, c'est la presse responsable parce que vous êtes en direct pendant l'opération d'apmener ou bien vous avez des reportages que vous avez fait pour vous mettre bandits sous mes MSPP découvrit que cas suspect à maladie charbon en dedans pays d'Haïti. Ministère de Santé publique à population et publié une note pour la presse, jeudi mercredi 24 juillet 2024 là, et ben pour avertir population sous cas suspect maladie qui a rapport avec anthrax, vous découvrit dans la région Fort Royal, ministère a demandé population respecter instruction santé pour éviter propagation maladie sila qui en pile monde te connaît sous nos charbon. Dans date 12 juillet 2024 côté MSPP qui recevoir rapport concernant cas maladie sila qui était présenté
et non cet homme qui caractérisé avec en trace et en pile monde relé maladie charbon dans première section communale Petit Goave localité Fort Royal Kasayo rapporté après consommation viande yon bœuf qui était mouri d'après et responsable et santé publique dans département si là les personnes et tout temps te contenté de mon a parlé des questions maladie ça qui cap venir et des viande bœuf que mon a mangé et surtout dans tout dernier moment yo on t'a dit tout responsable à travers pays yo quitté ces petits paysans yo qu'à chercher résoudre problème que yo gagne parce que l'état est pratiquement absent non ensemble des communautés non ensemble des villes non ensemble des communes opération la police pour déboulonner bandi dans niveau capital pays a et qu'il y a peine dans la commune Gressier, eh bien, il y a pour poursuivre déjà gagné plusieurs dizaines à centaines et bandits même qui tombaient dans affrontement dans trop que coup de zame avec la police. Et il faut qu'on dit tout, que la police t'a fait connaître et surtout magistrat commune Gressier, il fait connaître que la police saisit plusieurs armes. Et le palais des populations civiles là, qui déclenchait une autre version, bois calé pour tout bandit, cap couru, cap chapé pour lui, dans Gressier, Blaise Peterson. Gang rival, dans Cité Soleil, fait la paix entre eux. Mercredi 24 juillet 2024, là, ancien magistrat Cité Soleil, Esaïe Bouchard, confirme nouvelle là, il fait qu'on est habitant, yo exprimé contentement yo, parce que yo pral capable, si qu'il est dans 34 quartiers qui dans Cité Soleil, depuis un bon bout de temps, moun pat ka vacuer avec activité là-dedans, à cause, guerre qui gagne dans zone si là. Mouvement, révolution, Guy Philippe, là, tap prôné à pas camper selon déclaration avocale, maître Luchet. Il fait quoi? Il dénonce, et Jean-Tel Joseph, il fait quoi qui tape goût mais pour te rentrer pour te jeune pouvoir non mais Gaël Koni sous tendez yo annoncé mouvement cap vini là yo c'est parce que yo pas jeune et job non mais Gaël Koni c'est ça maître chef Jean-Joseph li déclaré la situation ta dit en demi temps nèg yo tout y a gérer tirer affaire pa yo yo chaque cap gérer tirer intérêt pa yo laisse ça on pose toute question côté intérêt Haïti la difficile pour jeune intérêt pays d'Haïti dirigeant fond national organisation résistance pour un Haïti stable et démocratique, heureusement, je ne pas mettre de la bouche pour critiquer tout ça qui est dans le gouvernement, qui n'a pas inspiré confiance. Elle déjà imaginé échec, mission multinationale qui est Kenya a dirigé en des pays qui n'a pas battu le résultat. Elle fait quoi? Monde qui sous pouvoir, il y a un code de l'ombre qui marré avec insécurité à la difficile pour bail résultat avec problème qui gagne à bail. Mais songez que le ministère de travaux publics, transport et communication, sorti à travers un communiqué, il a annoncé, il a bail 8 jours francs avec monde qui vivent en bas la ville de Port-au-Prince pour quitter espace là. Et c'est toujours dans ça qui vient pour avec décret qui est sorti, qui est décrété état d'urgence sécuritaire en dedans pays à les situations. Désir Venez, Jean, qui est ami, regardé sur l'écran ensemble avec nous là. Et bien, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui c'est pas parole, et puis en même temps, président Jean Détilan, organisation criminelle Vive Ensemble. Et bien, monsieur, qui était présent, ma tête, jeudi 25 juillet 2024, là, dans Cité Soleil, dans Carrefour Boucline. J'ai que le dit, même longtemps, ça vient des années, même dans Tabalo, actuellement, pas t'as jamais mis pieds dans une Carrefour Boucline, parce qu'il connaît que, l'y passe en Ti Gabriel, mais jeudi, Ti Gabriel, et comment, Benchi, Jean le dit non, n'est que décider faire la paix et pour que qu'on la paix durable en dans Cité Soleil mais il y a pile médias confrères journalistes collaborateurs qui ont même été débarqués en dans Cité Soleil côté qui t'a permettre que et barbecue t'a pas ensemble avec eux c'est sous ça n'a regardé sur écran là nous pour permettre que monsieur certain que est-ce que Zami est capable tendre et barbecue et après ça pour aller avec collaborateurs nous qui tout monde capable garder décrit en dans Cité Soleil après ça mais entre-temps et s'il possible n'a permettre que avec et ça mettait notre New York pour capable garder et tendre barbecue. Salut, mesdames. Salut, Père Maïsien en général. Je vous salue spécialement pour le Cité Soleil. Et je vous salue Gabriel, Mathias Benji, pour vous rajouter ce qui est choisi. Donc, ça fait pour permettre le Cité Soleil de vivre. Moi, je vais préciser pour chacun de nous qui va regarder pour faire ça. Gabriel, qui est leader pour Climat, il n'a pas fait partie de Vivre Ensemble. Mathias, Benji, eux-mêmes, ils font partie de Vivre Ensemble. Ça, nous devons pour précision ça. Et nous devons moun dans le pays d'Haïti prendre ça comme exemple. Parce que nous parlons de bagaille aux mêmes gens, ça ne veut pas dire nous ne pas 40 ans. Non. La preuve, Gabriel parle de Vivre Ensemble et que l'arrivée, je nous entends avec monsieur qui fait partie de Vivre Ensemble. C'est un objectif qui fait nous venir devant la presse là. C'est pour nous lancer un pinga par les politiciens. C'est pour nous lancer un pinga par les oligarques corrompus. C'est pour nous lancer un pinga par le gouvernement. Nous voulons le monde entier connaître la paix qui fait la journée à la Cité Soleil pour qu'il permette de revivre.
c'est Gabriel qui c'est chef Brooklyn, c'est Mathias qui c'est leader Boston, c'est Benji qui c'est chef Bellevue qui décide de mettre tête ensemble et qui dit pendant plus passé 5 ans, nous dans Brooklyn pas capable de vivre, nous dans Boston pas capable de vivre, nous dans Bellevue pas capable de vivre. Et résultat bataille ça c'est pas trop monde qui te mette, c'était politicien traditionnel dans intérêt par eux. Pendant eux même yo ka voyager, pendant petit on dans l'école dans l'université, pour pas t'attirer dans cité soleil petit malheureux malheureux ça mouri. Et que petit pas nous pas cal l'école. Je tiens à son fils de process qui fait bon côté monsieur des amis. Nous pas veut aucun politicien. Nous pas veut aucun monde dans gouvernement. Nous pas veut aucun monde dans classe monde qui possède eux. Il prend devant, il dans la presse pour faire moun connait que la paix ça c'est eux même qui fait. La paix ça sur la paix durable. Son la paix capturant en pile temps, raison fait la paix durable contrairement à ça moun pensé, c'est parce que c'est Gabriel lui-même, pas gen moun qui bal pression, pas gen moun qui force qui décide faire la paix. Et parce que c'est Mathias Benji, Juma qui décide de jodi a force cité soleil revive. On profite occasion ça tout pour remercier chaque leader dans vivre ensemble, spécialement Jeff Canaan, qui te met pied en pile sur accélérateur, pour te parler à Gabriel, pour te montrer la nécessité pour faire la paix. Ça. Moi-même, je remercie tête moi, parce que Mathias a bien dit qu'on se dit que mon frère, que mon papa, de toujours dialoguer à monsieur, montrer où. Seul jeu pour nous réussir dans la bataille, ça n'a pas là, c'est mettre tête nous ensemble. Et je dis à ces sacrifices fait. Nous tous les côtés, nous sommes dans le cafouillé. Bon là on mette bon là à diamant ben a mettre pied là parce que me connais m'ta mourir mais jodia à cause de la paix à cause de dialogue nous est force dialogue c'est ça nous même qui fait partie de vivre ensemble tout le monde ça et nous la communauté internationale là comme ça tout ne peut pas ici connaître c'est pas parce que nous pas gagne zam c'est pas parce que nous pas gagne balle qui fait n'a demander dialogue là c'est pas parce que nous pas gagne zam c'est pas parce que nous pas gagne balle qui fait n'a demander la paix. Songez avant même que force Kenya ait venu, contrairement avec ça, nous avons fait mon point, parce que Kenya a venu faire la bande de la paix. Nous avons toujours dit, gouvernement de facto criminel Ariel Henry, pour aucun route dialogue. Mais comme même nous qui te mettons ça dans la cité soleil, comme même nous qui te mettons ça dans le canard, même nous qui mettons ça dans Badelma, même nous qui mettons ça dans le village de Jégera, c'est même nous qui sommes là, qui a capturé au bar de la paix. Et c'est même nous qui sommes là, Ariel Henry, pour ne pas prêcher le dialogue. Et puis finalement, tout ça nous est terrible pour faire du fait. C'est moun ça montrer nous comment pour nous faire violence. Et journaliste même qui t'a dit au père pour battre nos âmes, au père pour nous battre nos balles, qui t'a nous commencé à marcher pour les commissariats, pour après la communauté internationale, pour après jouer le Moïse. Et bien nous suivons exactement ça, nous prenons conseil, je tiens à rien dans le rivala. Et nous avons remarqué pour une catégorie moun qui a dit au bal de dialogue. Après André Michel, tu le bal de dialogue, parce qu'il y a des têtes en vérité. Nous avons donc 4 qui a toujours dit le bal de dialogue. Parce qu'il doit être tout bas, il trahit être tout bas. Nous-mêmes, l'en vivons ensemble, nous-mêmes dans le quartier populaire, nous-mêmes, nous qui pis mal, nous-mêmes, nous n'avons pas de points, nous-mêmes qui baguons de l'eau, nous-mêmes qui baguons de courant, nous voulons le dialogue. Nous voulons le dialogue pour mener à Haïti de l'autre côté. Merci, c'est une question maintenant. Bon, et Désir Benes, ouais que nous permet que les amis internautes nous étendent toute intégralité. On dit que la conférence de la presse barbecue, parce que l'IPRE pour l'étape en question. Bon, nous gardons pour partie ça, et monsieur est certain que tous les amis qui attendent, qui gardent nous là, qui attendent et gardent barbecue en même temps. Ok, faut dire bagarre là bien. Et, vous ne pouvez pas que nous avons mais que c'est moun qui dit dans le commentaire là. C'est vrai, nous même nous pouvons faire apprécier et considération par nous, ok? Nous pouvons dire ça, nous comprenons de ça qui dit, hein? Et, les, alors, compréhension par nous à bien dire, mais nous avons chaque monde qui attendait là, yo. Yo même tout, yo gen mot pa yo pour yo di par rapport avec anti dialogue. Alors la paix, vous me dites comme ça. La paix que barbecue dit que et trois chefs gang en de la cité soleil que yo fait et dialogue que barbecue continue à demander avec autorité yo. Et il voit pinga tout. Attendez bien. Il voit pinga message bye. Politicien traditionnel j'en dis. Hein. Il voit pinga, il voit message bye. Moun ke nou ele oligat konpri yo, ki jodi a se de eleman, ki se de moun ki yo mèm kontribye nan mete zam, ok? Nan mete zam an de geto wa. Klot jodi an la,
ensemble de sa barbecue dit là yo. Bon, c'est que nous prenons analyser, nous prenons regarder les désirs. Mais comme nous parlons de barbecue, en nous regardant si nous allons aller en Cité Soleil, alors, je me dis en Cité Soleil, mais nous regardons si nous allons aller avec Kelito, parce que c'est le temps de la conférence, mais avant d'aller, nous allons regarder avec Kelito. Et Kelito, ou avec nous là, mais c'est vrai que nous sommes en train de barbecue qui parle, nous ne pas tourner sur barbecue qui parle, hein, mais nous allons regarder avec ou Kelito, ou même qui. Et qui s'est alors fréquenté zone ZAP comme journal de travail journaliste ou c'est vrai que plusieurs années que c'est pas gagné des zones qui étaient interdites dit que pour monde pas capable passer par rapport avec pata qui gagne de cité hein matin ça Kelito matin jeudi 25 juillet hein les que ou rivé après jeudi mercredi 24 juillet que nèg Dieu fait la paix hein qui ça ou observé qui ça ouais en termes ambiance en termes d'activité Kelito. Bonsoir Blaise, bonsoir les Ménès, bonsoir chaque monde qui déjà branché mes sa nouvelle. Blaise, son plaisir pour nous toujours informer mon mieux sur comment la situation est même liée, et surtout dans les jeunes qu'on y a la paix qui fait en deux communautés solaires par rapport à avec un monde. Comme pas gagné, je peux encore si je n'ai pas de parole, pas avec ou pas gagné, je encore si vivre ensemble, malgré nous vivre ensemble, nous avons un Dieu qui pas choisi d'entrer, mais qui choisit de collaborer. Et bien, c'est souvent tant ça, nous capables de dire, mais qui gagne, ils ont la paix qui fait, ou capable de voir la population, ils ont vendu l'espoir, malgré nous même en tant que journalistes, constat, nous ne sommes pas au assurer de nouveau qu'on a dit vrai, ils ont la paix vrai, parce que si pour gagner la paix, il faut gagner confiance qui est établie, pas gagner confiance qui est établie, les pas confiance qui est établie. Pourquoi donc confiance qui est établie entre la mitade de deux groupes yo blessés pourquoi donc confiance qui est établie dans deux groupes yo mais ce qui a empêché plusieurs monde dans population civile là lui-même déjà sorti dans Boston dans Belécou ou descendre dans zone Brooklyn pas oublier c'est trois zones ça yo qui était dans bataille c'était Boston Belécou Brooklyn Brooklyn c'est lui-même Haiti Gabriel lui-même a dirigé et ben tu connais n'a pas bagarre là une après pour nous capable comprendre bien parce qu'on est gamin capteur de la qui dans diaspora et qui dans le département de paysan et c'est si que cela qu'on est qui on quoi dit gain 33 mais 34 quartier mais qu'on est bloc en dedans oui mais 34 quartier mais 34 blocs ça c'est trois blocs qui est censé en diviser 33 et 34 ça c'est Boston Brooklyn Belécou c'est dit comme ça tout à fait bien. Tout à fait c'est trois zones on regarde chaque zone ça qui est ce qui était chef yo donc qui est ce qui chef yo bien c'est qui et nous j'en dis la boucle net gain Gati Gabriel l'autre Belécou lui même qui était gain non bout temps en risque ska qui parle là encore jusqu'à présent la mort qui était en doute qui y a comme il y a la con certaine de Benji qui a dirigé dans ça et encore vraiment Boston a on les on est pourquoi sur les sur ancien député c'était Soleil là les maires qui était Betirogan mais qui mourit qui Mathias même pour prendre place là ça veut dire trois zones ça yo blaze station c'est trois zones qui toujours dans goumé et l'autre vient dans boucle dans là au jeune commissariat central Cité Soleil là ce commissariat central commun c'est là le président c'est et Nadila c'est Ti Gabriel Benji Mathias et ça c'est